J'étais assis ce soir-là, j'étais avec mon fils, Ahmed. On préparait les livraisons pour ceux qui ont passé leur commande d'AMSA. On a fini, je disais, bon, fiston, je suis un peu fatigué. Moi, je me reposais un peu. C'est ce que je me disais. Je m'assois et puis je commence à regarder ma télé qui est un écran de cinéma. Et puis je tombe sur un petit, un certain Touré Mamadou, que j'ai juré devant vous, pas plus tard que la dernière fois, de ne jamais parler de lui, parce que parler d'une merde comme lui, c'est lui accorder une valeur, une importance qu'il n'a pas. Et moi, je me vois mal en train de parler d'un individu pareil. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? Les quelques secondes que j'ai pu écouter, j'ai cru comprendre qu'ils s'adressaient à la jeunesse ivoirienne. Je crois qu'ils étaient à la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. C'est quand j'ai entendu les jeux, j'ai dit, pop, attendez, on va voir ce qu'il va dire. Et il a commencé à s'attaquer à Tidiane Thiam, Laurent Gbagbo, Soro Guillaume. J'ai dit, waouh, la merde de Touré, d'accord, on va écouter. Et puis j'ai commencé à écouter. Et il a dit ce qu'il fallait pas dire. Il a fait ce qu'il fallait pas faire. J'ai dit, fiston, même si ton oncle est fatigué, ça là, il faut que je recadre le petit. Donc asseyez-vous confortablement en Côte d'Ivoire. Faites les projections sur vos télévisions écrans à la maison. Augmentez les volumes dans les rues d'Abidjan, de Yamoussoukro, de Bouaké, de Korogo, de Dioné, d'Abangourou, de Bondoukou, de Tengrela, de Ferke-Seydougou, de Benjerville, d'Aniama, de Grand Bassam, de Dabou. Mettez les volumes à Zoupé, à Beauville, Toumoudi, Vavoie, Saint-Fra. Mettez les volumes. À Daloa, où il paraît que c'est à Daloa qu'il est né, hein, le petit Touré, c'est ça? Il paraît que c'est à Daloa, parce que je ne sais pas trop d'où vient. En réalité, je ne sais même pas qui il est. Moi, je suis fier. Moi, je suis de Ségou. Quand vous arrivez dans la ville de Ségou, vous allez être marqué par, à l'entrée de Ségou, vous allez voir d'abord, il y a un rond-point qui est là, il y a un monument. Et puis, il y a la voie. 2 x 2, que Ibrahim Baka Keïta, qu'il repose en paix. En tout cas, il a gâté les Ségouviens. Il nous a gâtés parce que vraiment, il a. Ségou est vraiment goudronné. Ça, c'est chez moi. Hein? C'est là que mon père, qui a gratté, qui a bénéficié de la nationalité ivoirienne de la part d'Oufoué, c'est là-bas qu'il a enterré, à Ségou. Donc, quand je dis que je suis malien, je le suis à 100%. Alors, les petits ratés pervers peuvent continuer à se masturber. Hein? Notre village, c'est Ségou. OK? Ségouville, mais vous allez un peu à l'intérieur, c'est là que se trouve
nos racines. C'est là-bas que nos parents sont enterrés. Donc moi, je sais d'où je viens. J'ai une origine. Même Gaoussou, il allait à Ségou. Seulement, il est beaucoup jeune. Je voulais lui montrer la tombe de son papa dans son village natal, de son grand-père, pardon. Je voulais lui montrer la tombe de son grand-père, son homonyme. Bon, il est beaucoup trop jeune. J'ai dit non. Peut-être que ça peut marquer son esprit. Ce sera pour une prochaine fois. Cette année, il voulait aller. J'ai dit non. On va attendre un peu. Donc, nous, on sait d'où on vient. Moi, je sais d'où je viens. J'ai un village. J'ai des régions. OK? Ça, c'est eux. Alors, j'ai écouté et je me suis rendu compte que l'analphabète politique manque d'éducation civique, d'éducation morale. Il faut tout simplement rétablir les faits, c'est tout. Alors, je ne vais pas parler de Touré en tant que tel parce qu'il ne mérite pas que je perde mon temps à parler de lui, mais je vais m'attarder sur les propos malsains. Le titre même que je voulais mettre pendant mon direct, c'est Élection Côte d'Ivoire, élection présidentielle 2024, 2025, autant pour moi, beaucoup tournent l'erreur aujourd'hui, 2025, élection présidentielle 2025 Côte d'Ivoire, la bombe à retardement. Merci beaucoup du côté de Benjerville. Merci beaucoup. Élection présidentielle en Côte d'Ivoire 2025, la bombe à retardement. J'ai toujours dit, il y a plus de 5 ans, que la Côte d'Ivoire est une bombe à retardement. Je suis constant dans mes propos. Je ne fais pas de la tergiversation. Je reste précis et ponctuel dans ce que je fais. J'ai toujours dit que la Côte d'Ivoire était une bombe à retardement. Je voudrais que les Ivoiriens se rappellent de cela. C'est important et c'est fondamental. La Côte d'Ivoire est une bombe à retardement. C'est la jeunesse qui, dans la plupart du temps, quand il y a le conflit, c'est les jeunes, c'est les femmes, c'est les enfants, ce sont les vieillards. Ils sont plus victimes. Merci du côté des Giglo, qui sont victimes. Il appartient que quand il y a des malades, des dévergondés, des déracinés, des voleurs, des menteurs, des conjurateurs, des manipulateurs, des farceurs, des fossoyeurs, des indignes qui se font appeler Ivoiriens alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. Moi, je n'ai pas besoin de dire que je suis Ivoirien. J'ai mon fils qui est Ivoirien. Sa maman est Ivoirienne. Moi, là, on a appelé mon papa et puis on lui a donné. Moi, j'ai dit merci, papa. Je l'ai utilisé pendant un temps et est devenu adulte. J'ai dit je n'en veux plus. Donc, être Ivoirien ou ne pas être Ivoirien, pour moi, ça ne vaut rien. Ça ne dit rien. C'est ce que tu es, c'est l'être que tu es. Ce n'est pas le nom ou la nationalité qui fait de toi quelqu'un. Il y a des Américains aujourd'hui qui végètent, il y a des Américains qui vivent dans la pauvreté, dans la disette la plus absolue. Vous n'avez qu'à aller à East LA, ceux qui sont aux États-Unis, je vous invite. Quand vous êtes en Californie, allez faire un tour du côté de East LA. Il y a beaucoup qui sont même aux États-Unis, mais qui ne savent même pas où est East LA. East LA, là, Bramakote est mieux que East LA. Aller-retour. À Tekoubé, Bouribana, ou à Djamé, Bouribana, là, les quartiers précaires d'Abidjan, il y a plein qui sont mieux que East LA, aller-retour. Si vous connaissez les États-Unis comme je les connais, ce n'est pas la nationalité qui fait quelqu'un. Ce n'est pas le nom. C'est la détermination, l'engagement, la personnalité morale et spirituelle qui détermine la personnalité physique. Quand la personnalité intérieure est corrompue, la personnalité extérieure est pourrie. Je répète, quand la personnalité intérieure est pourrie, la personnalité extérieure est pourrie. Je répète une dernière fois, comme mon frère Abdoulaye, quand la personnalité intérieure, votre être intérieur, quand cette personnalité est corrompue, la personnalité extérieure est pourrie. La corruption interne pourrit la personnalité physique qu'on voit. Touré Mamadou, de l'intérieur est corrompu et l'extérieur est pourri. Mais les gens ne voient pas. Je vais vous faire le plaisir de savoir qui est Touré. Mais vous allez écouter ses propos d'abord.
et puis nous allons parler. Pourquoi je veux parler? Parce que je vois la Côte d'Ivoire comme une bombe à retardement. Il y a un monsieur qui m'a appelé aujourd'hui, il dit Keïta, il a commencé à faire les bénédictions jusqu'au moment où on faisait les préparations pour les livraisons de Damsa. Il a appelé, je voulais écouter ce qui, bon, je prends de ce temps-ci les appels, pas tout le temps. Il a commencé à faire les bénédictions, il dit, j'ai rarement vu quelqu'un dans ma vie qui dit quelque chose en politique et puis ça se réalise. Depuis que je te suis, ça fait des années, tu n'as jamais dit quelque chose qui ne s'est pas réalisé, Keïta. Pour ça, l'Afrique te doit infiniment reconnaissance. Parce que les gens ne connaissent même pas ta valeur, en réalité. Nous-mêmes, là, on te sous-estime parce qu'on ne sait même pas en réalité qui tu es. Merci du côté de Dogon. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Ce n'est pas que je me vante, je vous en prie. Quand je prends mon jeune frère Imoussi, il allait à l'école du journalisme, donc il ne parle que ce qu'il a appris sur les bancs. Quand je prends le cas de mon jeune frère Abdoul Niang, il ne parle que ce qu'il a appris sur les bancs. Mais Keïta vous dit toujours, ce qui est ici, on n'apprend pas ça sur les bancs. Alors, ça fait une différence. Ils sont bons dans leur domaine. Ils appliquent ce qu'ils ont appris. Ils l'adaptent à la réalité du Mali. Mais c'est totalement contraire de ce que Keïta fait. Alors, je vais vous parler. Pourquoi je vais parler de cette merde aujourd'hui, cette canaille, alors que je vous ai dit, je ne veux pas lui accorder une importance qu'il n'a pas. C'est parce qu'il a touché à deux choses qui interpellent ma conscience morale. La manipulation de la jeunesse a commencé. Les enfants soldats, ceux qui prennent les armes. Le RHDP est une organisation terroriste. Aïe, Keïta, est-ce que ça c'est pas faux? Je répète, le terrorisme, le président Assimi Goïta nous a développé à Sikasso, trois types de terrorisme. Le terrorisme communicationnel, le terrorisme économique, c'est-à-dire financier, et le terrorisme armé. Mais il y a aussi le terrorisme diplomatique. Le RHDP est une organisation politique terroriste. Au même titre que Daesh, au même titre que Boko Haram, parce que Boko Haram tue, le RHDP tue. Boko Haram ment, le RHDP ment. Boko Haram, c'est la propagande, le RHDP, c'est ça. Donc le RHDP d'Alassane Ouattara est une organisation terroriste que je vais démontrer tout de suite par A plus B. Si je me trompe, rappelez-moi à l'ordre. Ma soeur Awa, elle a le rhume. Si vous appelez Awa, hein, celle qui chante ça là, je veux que tout le monde appelle Awa. J'ai pas son numéro ici, c'est dans mon WhatsApp. Attendez, je vais. Donc vous l'appelez, elle a le rhume. Donc chacun n'a qu'à envoyer l'argent des poulets. Un poulet, un poulet. C'est pas beaucoup, c'est 5000 francs seulement. Hein? Vous pouvez faire ça là. C'est moi-même, demain, je vais lui envoyer un carton de poulet. Je vais pas vous dire combien. Mais vous, chacun, rapidement là. Ah ben, ouais, tchikata, Awa. Baga numéro blasé, Awa. Elle est couchée, elle est un peu malade, alors que chacun envoie. Si vous avez cette chanson, si vous aimez ce qu'elle fait pour le Mali, vous aimez ce qu'elle fait pour l'AS, et vous appréciez cette chanson qu'elle a faite pour un serviteur, je vais donner son numéro tout de suite. Envoyez tous au Raj Mane, 5000, 5000, 5000, 5000. Celui qui peut faire 1 million, c'est pas un problème, c'est bon. Si son orange est bloqué, vous pouvez plus envoyer l'argent. Tu dis, ah ouais, orange est bloqué là, mais voilà, elle va vous donner un autre numéro. Vous allez envoyer l'argent. Hein? Voilà. C'est pas pour moi, c'est pour Awa. C'est son numéro que je vais vous donner tout de suite. Moi, c'est carton de poulet que je vais envoyer demain. Mais vous, là, vous envoyez un, c'est bon. D'accord, les gars? Attendez, je vais rapidement. Je vous donne le numéro de Awa. Elle est un peu enrhumée, elle est couchée. Voilà. Vous envoyez l'argent rapidement dans son orange. C'est 79. Mathilde, tu es là? 79 42 15 17.
Awa Bako Djabaté, vous l'appelez Awa, c'est Keita qui dit que tu es un peu couché, non? Donc on t'envoie l'argent de poulet, ok? Ah, que Allah comme ben, tout le monde, ben, chez War Blagata, Anan de dos, hein? Ne me tape Blagata, ne me tape Boran de Blagata. Donc, ben, qui tape Blagata, hein? 79, 42, 15, 17, je répète. 79, 42, 15, 17. C'est son numéro orange, Orange Money au Mali. Donc, chacun se débrouille pour envoyer un poulet à Awa. D'accord? Voilà. Merci beaucoup. Je sais que vous allez le faire. Je peux compter sur vous. Infiniment merci à toutes et à tous. Alors, de quoi s'agit-il? Merci infiniment à chacun de vous. Nous sommes directement connectés sur Dania TV, qui émet directement à partir de YouTube. Donc, nous avons deux transmissions en direct sur Facebook, ici et puis ici. On laisse YouTube à Dania TV et nous, on frappe du côté de Facebook. Alors, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Permettez-moi une seconde, rapidement. Touré Mamadou, voilà ce que Touré Mamadou fait. Touré Mamadou, où est ça? Il faut que rapidement je vous envoie ça. Attendez, rapidement, il faut que vous puissiez écouter ça. Touré Mamadou exagère. Il exagère. Touré Mamadou, les jeunes gens se sont retrouvés à la fondation Félix Farbolli de Yamoussoukro, je crois bien. Permettez-moi, je vais rapidement. Ok, ça y est, voilà, Dieu merci, ça y est là. On va parler du discours du ministre, le communiqué, pardon, de l'État du Mali, le colonel, le ministre d'État Abdoulaye Maïga. Et puis, la CEDEAO a fait un communiqué par rapport à l'Ukraine. Mais avant de parler de Touré Mamadou, il est là, hein? Touré Mamadou, on va parler de lui. Voilà, j'ai retrouvé, il est là. OK? Je vais balancer ça sur le grand écran et puis on va. Alors. Allô? C'est ta maman qui rêve. Pourquoi tu ne donnes pas ta maman à Ado? Hein? Si le Mali rêve d'un président comme Ado, il faut donner ta maman à Ado. Djibril, il faut donner ta maman à Ado. Elle sera l'épouse d'Ado. Hein? Attendez, il y a un idiot ici, là. Nous, on ne perd pas le temps. Je vais. Il y a un idiot qui est là. Si. On t'attend au tournant. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Mohamed Bachili, ça va? Merci infiniment. Voilà. Voilà, c'est le numéro de Awa Bako qui est là. Je vous en prie, 79, 42, 15, 17. Je crois que c'est bien ça. Merci, Bachili. Alors, on va continuer. Bachili est là. Nous, on est là. Il y a un maudit qui est là. Il dit le Mali rêve bâtard, là. Le Mali rêve d'Ado. Avec Assimi Goïta, Alassane Ouattara, le président le plus minable de l'histoire de la Côte d'Ivoire, un voleur, un criminel, qui dit qu'il a PhD, il peut même pas parler anglais correctement. Et toi, l'idiot, tu penses que le Mali, alors que mon fils, tous mes enfants aux États-Unis, peuvent enseigner à Alassane Ouattara comment il faut parler anglais. C'est ta maman là qu'il faut donner à Alassane Ouattara. C'est ta maman qu'il faut donner à Alassane Ouattara, idiot, pervers égaré. Alors, donc, on continue. Ouais. Un président qui peut même parler anglais, il dit la PhD. Il parle même pas anglais. Il sait même pas parler bon anglais. Quelqu'un fait un coup d'État, il dit c'est révolution. Toi, maudit comme ça, là, tu viens t'arrêter pour dire que le Mali rêve. Idiot. C'est ta maman qui rêve d'Ado, c'est pas le Mali. Alors, on va continuer. On va écouter le communiqué du gouvernement malien. Mais il y a quelque chose que je voudrais d'abord, avant d'écouter le communiqué de l'État du Mali par rapport à l'Ukraine, on remercie la CEDEAO qui a fait un communiqué. Mais je vous en prie, le Sénégal de Ousmane Sonko. Au début, quand les gens me disaient, il n'y a pas une décision que Ousmane Sonko peut prendre, ou du moins ce que Diomaye Faye prend et que Ousmane Sonko n'est pas informé. Sambe Kanté, toi j'attends, il faut envoyer 50 000 à chose, hein. Kanté, il faut envoyer 50 000 à Awa. Bachili, il faut envoyer le numéro là à Sambe Kanté. S'il n'envoie pas 50 000, je vais demander à Awa. Kanté, si tu n'as pas envoyé 50 000 à Awa, désormais là, je dis à Bachili, n'a qu'à te chasser. Tu n'as plus regardé notre direct. Et je suis ton esclave, non, c'est pas ça. Maintenant, il faut envoyer 50 000 à Awa. Alors, dans le communiqué de l'État du Mali, le Mali a dit quelque chose qui m'a marqué, qui m'a blessé et qui fait que moi j'ai réfléchi à plusieurs reprises. Je n'ai pas, quand j'ai écouté le communiqué, j'ai réécouté encore le communiqué pour être certain
que je ne me trompais pas. J'ai réécouté le communiqué, j'ai réécouté le communiqué, j'ai réécouté le communiqué, et puis je suis tombé malade. Je me suis couché, j'ai dit, attendez, je n'ai pas bien entendu encore. Je me suis réveillé encore. Et puis j'ai appelé. J'ai dit, est-ce que ce que le communiqué dit là, c'est vraiment vrai? C'est au Sénégal, à Dakar, que l'ambassadeur de l'Ukraine confirme que son pays est allié aux terroristes dans le Mali. Et le Sénégal, le Sénégal n'a pas jugé utile de rappeler l'ambassadeur de l'Ukraine à Dakar pour explication. Donc tous ceux qui disent que tout ce que Diomaye fait, Ousmane Sonko est d'accord. Ousmane Sonko, je ne sais pas si je me suis trompé sur ton compte, mais j'espère que vraiment, que je ne me suis pas trompé sur ton compte. Parce que le Sénégal aurait dû appeler l'ambassadeur de l'Ukraine pour explication. Le Sénégal ne l'a pas fait. Ils l'ont fait? Merci beaucoup, merci infiniment, parce que je n'avais pas vu. Attendez, non, non, non. Dites-moi, est-ce que c'est vrai? Donc, non, non. Il y a quelqu'un qui dit que le Sénégal a appelé l'ambassadeur de l'Ukraine pour explication. Mathilde, si tu as l'information, s'il te plaît, il faut me donner. Si le Sénégal a appelé, bravo. Mais s'ils n'ont pas appelé, on a un sérieux problème avec le Sénégal. Ils ont appelé? Merci infiniment, les gars. Merci, parce que je n'avais pas encore vu. Merci, les gars. Autant pour moi, alors. Ousmane Sonko, merci. Merci. Merci pour le Sénégal. Merci pour le Sénégal. Ok, merci infiniment, les gars. Merci infiniment. C'est comme ça que vous aidez Keïta aussi. Et quand il n'a pas vu quelque chose que vous le dites, c'est bien. Merci. Ils ont fait un communiqué. D'accord. J'ai vu, j'ai compris. Ce n'est pas fini, hein. La CEDEAO a parlé. Mais pourquoi il a fallu que nous, on parle pour que la CEDEAO parle? Pourquoi il a fallu que le Mali parle pour que la CEDEAO parle? L'Union africaine, on n'a pas entendu l'Union africaine. On va décortiquer le communiqué de l'État du Mali parce que ça, c'est un communiqué qui mérite une intervention spéciale. Donc, je ne peux pas faire ça comme ça. Alors, comme aujourd'hui, j'ai décidé de frapper correctement le voleur PD ministre ivoirien Touré Mamadou, la bêtise humaine, l'inconscience caractérielle et caractérisée Touré Mamadou. Donc, je vais prendre le temps de regarder cette merde ce minable. Notre communiqué, on prendra le temps pour construire une très bonne émission autour de l'intervention. Alors, je vais balancer sur le grand écran ici, et puis on va commencer. Vous allez suivre directement avec moi. Il faudrait pas que on pense que c'est Keïta celui qui attend les 10 ans, on n'a pas vu. Donc, alors on va tout de suite faire ça rapidement, et rapidement, parce que c'est important, très important. On ne peut pas attendre. Aïe. Voilà. Maintenant, c'est venu là. On va écouter. Je vais vous amener. On va écouter rapidement. On va écouter ça. On va écouter. OK. Oh là là, c'est ça qui m'énerve là avec ces histoires de trucs là. Il y a des partis qui disent qu'on a une velléité de rassemblement. On attend union de la gauche. Union de la gauche. On va suivre. Et ils disent, avec le chef de file contesté, puisque entre eux ils contestent, donc le chef de file. On écoute les avec gars. objectif de nous enlever par tous les moyens au pouvoir en 2025. Ils disent, ceux-là, en 2025, il faut qu'on les enlève. Je voulais m'adresser aux jeunes qui sont dans cette salle.
La politique peut être noble. La vraie politique, je le dis partout où je passe, parce qu'il y a deux conceptions de la politique. Il y en a qui conçoivent la politique comme juste un jeu d'ambition, les chocs des ambitions. On veut être quelqu'un. Alors, est-ce que vous avez écouté ici? Je vous en prie. Il y a des petits pervers. Oui, j'ai compris que vous n'êtes pas d'accord avec le communiqué du Sénégal. Il y a certains qui contestent, il y a certains qui ne sont pas d'accord. Excusez-moi du côté-ci, je m'adresse ici puisque c'est avec différents écrans que je suis en train de faire le direct. Ici, je vous en prie, ne vous fâchez pas. Ok? Vous pouvez ne pas apprécier ce qu'ils ont dit. Bathily, il a mon numéro, après vous allez voir. Vous pouvez envoyer les messages et puis le communiqué qu'ils ont fait parce que je n'ai pas encore eu accès au communiqué. Donc si je parle de quelque chose que je n'ai pas vu, je serai un menteur. S'il vous plaît, ici, je vous dis toujours, c'est les 99 noms de Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a des choses que je fais beaucoup attention quand je parle. Mais quand je reçois de lui, je m'en fous, je dis, parce que je sais que ça vient de lui. Mais ici, comme déjà, je vois que beaucoup ne sont pas d'accord sur les termes du communiqué. Bathily, s'il vous plaît, si vous avez le communiqué, si quelqu'un l'a, vous pouvez m'envoyer sur ma messagerie WhatsApp. Hein, le 72-77-47-88 que je vais donner tout à l'heure à travers le DAMSA aussi. Donc vous pouvez m'envoyer le communiqué, je vais lire. Parce qu'il y a le communiqué de l'État du Mali que vous allez écouter. Donc par rapport au communiqué du Mali, on pourra aussi décortiquer le communiqué du Sénégal. Donc ne créez pas un faux débat autour du communiqué du Sénégal. On aura le temps de parler de ça. Pour le moment, là, c'est cette canaille-là qu'il s'agit. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup. Vous n'êtes pas d'accord, c'est normal, hein? Chacun un peu dit ça, moi je ne suis pas d'accord, Hein? On va laisser ça comme ça pour le Sénégal, on va gérer ça après. Hein? Vous allez m'envoyer, je vais regarder et puis on va gérer. Ok? Voilà. Alors ici, ce qui est intéressant ici, je répète, ce qui est intéressant, il a dit quelque chose que je voudrais vous ramener à écouter. Donc le chef de file avait pour objectif de nous enlever par tous les moyens au pouvoir en 2025. Ils disent cela en 2020. Vous voyez, c'est là que la manipulation, la malhonnêteté commence. Vous enlevez par tous les moyens, et là ici, il fait semblant d'utiliser cette expression pour remonter les jeunes du RH de pied. Ce parti terroriste, quand j'ai dit que le RHDP est un parti terroriste, beaucoup n'ont pas compris. Vous commencez à comprendre là. Ça, c'est un ministre d'un État. Et c'est quelqu'un qui est supposé s'adresser à la jeunesse. Qu'est-ce qui a provoqué le génocide rwandais? Quand les peuples africains, avant que je revienne au génocide rwandais, à la veille des indépendances à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, le général de Gaulle, c'était en quelle année, je ne me rappelle pas trop de l'année, il dit aux Africains, quand les Africains ont commencé à soulever les questions de l'indépendance, le général de Gaulle dit, je vous ai entendu. Je vous ai compris. Mais c'était une réponse floue. Les Africains se sont contentés de ça, mais en réalité, il n'a pas détaillé. Quand les Africains disent on veut notre indépendance, il dit je vous ai entendu. Je vous ai compris. Il s'arrête là. C'est là que le Sénégal en 58, dirait le Sénégal Safourlaï, la Guinée en 58, 58 ou 59 exactement, je ne sais pas trop, a pris son indépendance, c'est-à-dire que 2 ans avant les autres. Je vous ai entendu. Alors ici, le porte-parole adjoint du parti terroriste appelé RHDP, qui est un parti terroriste, il dit... Ils disent qu'en 2025, ils vont nous enlever par tous les moyens. Ça n'a jamais été dit ainsi en Côte d'Ivoire. Les autorités politiques
Les opposants n'ont jamais dit ça. Pour preuve, Tidiane Thiam incite tout le monde à s'inscrire. Il dit que c'est la seule façon de gagner par les urnes. Il a fait une démonstration claire et nette. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, ce message-là s'adresse plus à la jeunesse ivoirienne. Je vais vous expliquer du mieux que je peux pour que personne ne dise qu'on n'a pas compris et qu'on a été manipulé. Donc, je vous invite à écouter très bien ce que je dis, parce que la moindre petite erreur va coûter cher à la Côte d'Ivoire et la bombe de retard et la bombe à retardement. Et la bombe à retardement dont j'ai toujours parlé il y a des années risque d'exploser en 2025. C'est vous, les yeux des Ivoiriens, vous n'arrêtez pas de regarder ces vieilles filles-là qui n'ont plus de substance humaine. Je parle de Emma Lewis, qui vous blague, mais qui en réalité, elle n'est plus une femme. Quand vous regardez ces gens-là de près, après les maquillages, elles n'ont qu'à enlever leur maquillage. Approchez-les pour savoir en réalité qui elles sont. Ces filles qui sont sur vos plateaux de télé-là. Arrêtez de baver. La petite fille de ton quartier même est plus propre que ces filles que tu vois sur les réseaux. On dit l'habillement ne fait pas le moine, c'est vrai. Vous les regardez, vous enviez, mais il n'y a rien de bon qui sont, qu'il n'y a rien de bon en elles. Rien. Ne les enviez pas. Prends ta petite go qui est au quartier là, il faut faire sourire avec elle. Il faut laisser celle-là. Il y a plus de problèmes dedans que tu ne peux imaginer. Alors, quand c'est trottoir où il y a beaucoup de camions qui passent, et c'est ça que toi tu regardes, tu as un sérieux problème. Il faut prendre la piste villageoise là où beaucoup de camions ne passent pas là-bas. Ça, c'est pour toi. Mais quand tu prends autoroute où tous les camions passent, tu as un sérieux problème, mon ami. Parce que tu es arrivé quelque part, il y a péage. Alors que piste villageoise, il n'y a pas péage. Mais autoroute, il y a péage. Il y a combien de péages avant d'arriver à destination? Ces filles-là, c'est comme ça, elles sont. Autoroute à péage, il faut les laisser. Prends la petite villageoise là, et puis ton cas est réglé. Alors ici, ils disent par tous les moyens, ils n'ont jamais dit ça. C'est en cela que Tidiane Thiam exige que tous les jeunes, toutes les personnes en âge de pouvoir voter, qui jouent de ses droits civiques, puissent s'inscrire sur la liste électorale. Il dit, c'est pas le nombre que nous allons gagner. Voilà le langage du PDC-RDA. Ce que la malhonnête bêtise humaine, menteur, voleur. Vous savez, ces gens-là, moi, j'ai commencé à les comprendre. Ils ont tellement volé, tellement menti, que chaque fois, il faut venir avec de nouvelles choses pour berner les jeunes. C'est cette merde, ce voleur, cette canaille qui a dit aux Ivoiriens, à la jeunesse ivoirienne, 1 milliard par jour. Les Ivoiriens, ils sont restés là. Beaucoup ont toxicolé, hein. Ils ont regardé la rue jusqu'à, ils n'ont même pas vu, ils n'ont même pas vu 5 francs. Maintenant, tu viens parler de, ils vont nous enlever par tous les moyens. Idiot, commencez à respecter d'abord vos propos. Voilà là où Keïta dit, c'est une organisation politique terroriste. Au même titre que Boko Haram, le RHDP. Vous avez menti. Le 7 août 1923, alors ça frôlait, le 7 août 2023, après demain, ce sera le 7 août 2024. Ça fait un an, jour pour jour, que Alassane Ouattara a promis aux Ivoiriens 1 milliard par jour pour la jeunesse. Déjà, nous sommes à 366 milliards que les Ivoiriens n'ont pas encore vu. Pourquoi Touré Mamadou ne s'explique pas, il ne justifie pas ces 366 milliards que les Ivoiriens n'ont pas encore vu, que la jeunesse n'a pas encore vu. C'était le 6 août 2023. Et dans 2 jours, nous allons entrer, demain précisément, aujourd'hui c'est le 5, demain mardi, sera le 6 août 2024. Jour pour jour. Pourquoi la jeunesse n'a pas encore vu ces 1 milliard par jour? Alors, pourquoi vous prenez les jeunes de Côte d'Ivoire comme des idiots, comme des marionnettes? Vous mentez, vous les manipulez. Et puis vous venez encore leur dire, juste pour
les mettre en chose pour les énerver, ils vont nous enlever. Ils vont nous enlever. Donc, jeunes de Côte d'Ivoire, voilà ce que le RHDP attend de vous. Vous êtes la chair à canon. Vous êtes le rempart. Vous êtes les idiots. Vous êtes les pervers. Vous êtes les malades. Vous êtes. Vous êtes allé à l'école, il n'y a pas de débauché. Vous êtes allé à l'école, vous n'êtes même pas capable de soutenir vos parents avec un centime. Eux, ils continuent de vous enrôler. Ils vous mentent. Vous les écoutez. Cette bêtise humaine appelée Touré Mamadou, cette canaille, ce voleur, ce pédé, c'est ça, là. Jeune Ivoirien, c'est ça, là, que vous voulez. C'est ce parti-là encore que vous voulez. Où sont vos 1 milliard? Posez la question à cette merde de Touré Mamadou. Où sont vos 1 milliard? Vous ne les avez pas encore vus. Alors, ils veulent maintenant que vous allez vous tuer, vous allez vous sacrifier. Parents, parlez à vos enfants. Vos enfants ne sont pas la chair à canon du RHDP, qui est un parti terroriste. Ils jouent sur la fibre, pas la fibre patriotique, mais ils vibrent sur quoi? Ils veulent créer une sorte de psychose. Ils vont emmener la guerre. Ils vont emmener la guerre. Ils vont nous chasser par tous les moyens. Rappelez-vous 2010-2011. Mais qui provoque la guerre? C'est eux qui ont envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Le 19 septembre 2002. Le 24 décembre 1999. C'est Alassane Ouattara. Le 24 décembre. Le Père Noël. Guéhi, père à son père à son âme. Le 24 décembre. Le 24 décembre 1999, c'est Alassane Ouattara. Le 19 septembre 2002, c'est Alassane Ouattara. Les 3000 morts, c'est Alassane Ouattara, puisque Gbagbo Laura a été innocenté. Mais pourquoi Ouattara n'a jamais été entendu? Pourquoi vous, jeunes de Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas réfléchir un tout petit peu? C'est ça la politique, là? Un pain, sardine, votre vie se limite à un pain et une sardine, une boîte de sardines. 2000 francs, 3000 francs. Alors si c'est ça, pourquoi vous n'allez pas travailler pour moi, je vais vous payer. Parce qu'au moins, je peux embaucher 100 jeunes que je peux payer à la fin du mois. Mais c'est 50 000, je peux vous payer. Ça, au moins, c'est mieux que boire des sardines par cérémonie. Au moins, si vous travaillez pour moi encore du mois, je vous paye 100 jeunes, 50 000 par personne, le minimum. Maintenant, si, au fil du temps, au moins, je peux faire ça pour vous gratuitement. Pourquoi eux, là? Moi, si je peux vous payer 50 000, 100 jeunes par mois, et ça, là, même pas les chiens, ou les cabas, mais pourquoi eux, là, ils mentent? Touré, il a fait quoi pour vous? Au moins, vous allez travailler pour vous-même et vous serez fiers d'avoir cet argent. Mais vous faites quoi? Vous allez là-bas, vous gagnez quoi? Alors, c'est ça, ce malade l'a dit, le Mali rêve d'avoir Ado comme président. C'est ça, là, président, là. Vous êtes vraiment, vous avez des sérieux problèmes, la Côte d'Ivoire. Écoutez encore. Pourquoi ils enlèvent? Je vais m'adresser aux jeunes qui sont dans cette salle. Alors vous voyez, regardez la connexion qu'il fait, la manipulation qu'il fait entre les propos de l'opposition politique et les jeunes qui sont dans la salle. Ils veulent nous enlever par tous les moyens, vous les jeunes. Vous ne devez pas accepter ça. Ils veulent nous enlever par tous les moyens, vous les jeunes, vous devez mourir pour nous. Ils veulent nous enlever par tous les moyens, vous les jeunes, vous ne devez pas accepter ça. Voilà. Le RHDP, l'organisation terroriste en Côte d'Ivoire, appelée parti politique. Je vais t'envoyer pourquoi? Idiot. J'ai dit celui qui travaille. Je t'ai dit que je donne l'argent cadeau, envoie-moi 50 000 francs. Tu es malade ou bien quoi? Tu as fait quoi pour moi et te donner 50 000 francs? On t'a dit non, tu travailles. Moi, j'ai dit travailler. J'ai plantation en Côte d'Ivoire. Allez-y labourer. J'ai plein de gens là-bas. Ils m'ont dit, vous allez travailler, je vous paye. Je ne suis pas comme ceux qui font les Makoso et là, pour tu bête là, qui viennent et puis ils enlèvent l'argent devant les gens. Là où je suis là, assis là-bas, j'ai plus que 5 millions là, déposés sur mon fauteuil. Mais je vais vous montrer pourquoi. Est-ce que c'est ça pour toi? Tu travailles, tu mérites pour avoir ce que tu as. Et te donner, pourquoi? Faut travailler. On t'a dit que je suis là pour donner gratuitement. Je suis là pour encourager le travail et non la facilité. Je ne donne pas. Ah ben, t'as dit, si tu travailles, je te donne. Si tu travailles, je ne te donne pas. Alors, donc, maintenant, revenons à nos boutons. Écoutons encore. La politique peut être noble. Écoutons. La vraie politique, je le dis partout où je passe,
Parce qu'il y a deux conceptions de la politique. Voilà. Qui... C'est ici qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Les gens parlent souvent, ils oublient. Les gens parlent souvent, ils oublient. Non, non, je ne serai jamais distrait. Ne t'en fais pas, Jean-Luc, Yao. Ne t'en fais pas. C'est comme ça qu'il t'a... Luc, il faut suivre. Il ne faut pas t'en faire. Ici, là, c'est là qu'il faut écouter. L'idiot, c'est pourquoi j'ai dit que cette canaille, cette merde-là, si le garçon est qu'il est vraiment le fils de son père et de sa mère, et puis il est vraiment, il sait qu'il est vraiment touré, et qu'il est vraiment ivoirien, wallah, bilah, s'il n'est pas le, ça, là, ce défi-là, que Dieu le maudisse à jamais. Si tu es un garçon touré, moi, je te lance ce défi. On peut le faire par visioconférence. Je n'ai pas besoin de me déplacer. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Un plateau de, j'ai les applications ici. Un plateau de télé peut t'inviter. Et puis on fait, je vais t'enlever ta culotte de PD là. Les Ivoiriens ne vont même pas te reconnaître. Alors écoutez ce qu'il va dire ici. Je vous en prie. Écoutez très bien. Comme juste un jeu d'ambition, les chocs des ambitions, on veut être quelqu'un, il faut qu'on soit autre de là pour que je m'y mette. Ça c'est une certaine école de la politique. Wow, 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 wow. Allah, Dieu est bon. Dieu est glorieux, Dieu est bon. Allah, smart, Allah, ah, Dieu est bon. Entre toi, je vais m'y mettre la politique d'ambition. Alassane Ouattara, à la mort de Félix Houphouët-Boigny, cette merde, cette canaille qui ne sait même pas de quoi il parle, cette vermine, ce manipulateur, ce corrompu, cet indigne, appelé ivoirien alors qu'il ne l'est pas, ce voleur, ce raté, cette canaille. À la mort du Fouet, en 93, son président, son mentor qui va présenter comme étant l'excellence par excellence, la véritable moralité de la politique par excellence, Alassane Ouattara. À la mort du Fouet, c'est pas vrai. J'ai dit petit, t'es trop petit. Ouais, mais quand tu me provoques là, moi je rentre pas dans ta vie privée. Moi je prends les faits. À la mort du Fouet, à la mort du Fouet, à la mort du Fouet, je répète encore, à la mort du Fouet, lui qui était le régent, premier ministre et président, parce que la constitution de l'État de Côte d'Ivoire ne prévoyait pas cette situation pendant 3 ans. Il était premier ministre et président parce que la constitution ne prévoyait pas des dispositions à ce niveau-là. Donc, il est resté premier ministre et président par régent. Président intérimaire. 3 ans. À la mort du Fouet, il empêche la Cour constitutionnelle, je ne sais pas si c'était à l'époque, c'était la Cour constitutionnelle ou le Conseil constitutionnel, de s'auto-saisir ce que dit la constitution. Il refuse cela. Entre-temps, puisque c'est lui qui voyait au Fouet. Alors, il veut présenter Ouattara comme étant la moralité par excellence. Et Allah. Les gens, attendez, je vais faire quelque chose pour vous. Et puis, écoutons. Il y a l'autre école de la politique, et celle du président Alassane Ouattara, qui conçoit la politique un jeu d'ambition. Écoutez bien, écoutez bien. Je voulais m'adresser aux jeunes qui sont dans cette salle. Uh-huh. Écoutez. La politique peut être noble. Uh-huh. La vraie politique, je le dis partout où je passe, parce qu'il y a deux conceptions de la politique. Il y en a qui conçoivent la politique comme juste un jeu d'ambition, les chocs des ambitions. On veut être quelqu'un, il faut qu'on soit autre de là pour que je m'y mette. Ça, c'est une certaine école de la politique. Il y a l'autre école de la politique, et celle du président Alassane Ouattara, qui conçoit la politique comme un instrument au service des populations. Un instrument qui nous permet d'agir tous les jours pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Lorsqu'on est dans cette école, on a forcément une vision. Parce que tous les jours, on se questionne, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Comment aider les populations à sortir de la pauvreté? Comment mettre de l'eau? Comment mettre l'électricité, etc. Ok, ça suffit. Ceux qui disent... Wow, 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 wow. Vous savez, les gens souvent, quand ils parlent, moi je les écoute, vous avez l'impression, quelqu'un m'a envoyé le communiqué, je ne sais pas si c'est le communiqué du Sénégal ou quoi là. Je crois, attendez, hein, le ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères a été
intransigeant, il a convoqué samedi 3 l'ambassadeur d'Ukraine à Dakar pour avoir publié une photo de soutien aux attaques qui ont eu lieu fin juillet contre l'armée malienne. Ok, merci beaucoup. Celui qui m'a envoyé ça, merci beaucoup à toi. Ça vient du Burkina Faso. Merci beaucoup, Cool. Merci infiniment. Après avoir décortiqué, merci mon frère. Vous avez entendu. Il y a deux écoles de la politique, selon lui. Il y a la politique des ambitions et il y a la politique de la saine appréciation de réalité, c'est-à-dire la politique d'investissement, la politique de réalisation, la politique de prise en compte, la politique de développement. Les jeunes dont les parents ont eu leur maison cassée par le RHDP. Le soi-disant déguerpissement qui en réalité n'est pas un déguerpissement, qui est le vol à ciel ouvert des terres des ébriers, des Hachans. Ça, c'est la politique de Ouattara. Ouattara vole les Ivoiriens à Abidjan. Ouattara est en train de s'accaparer de toutes les terres d'Abidjan. J'ai alerté les Ébriers, les Hachans, les Adjoukourous. Je leur ai dit, vous jouez un jeu dangereux. Ouattara va vous dépouiller et vous déposséder de tout. Aujourd'hui, on voit ça. Voilà quelqu'un qui dit, Ouattara se pose des questions. Est-ce que Ouattara s'est posé des questions avant de détruire, de casser les mosquées et les églises? Non. Est-ce que Ouattara s'est posé des questions? Le président de ce club, de ce parti terroriste, parce que vous créez la terreur. Le terrorisme, c'est ça. Regardez ce qui s'est passé à Yopougon, Jesco. Regardez ce que les gens vivent à Cocody, ce que les gens ont vécu à Kumasi, à Port-Bouët. Regardez, est-ce que ça c'est la politique sociale dont il vante les mérites de son président? Non. Je parle d'abord des faits récents, hein, avant de remonter à 1993. Il faut être un président voyou, terroriste, criminel, sans foi ni loi pour permettre ce genre d'action. On a vu ce qui s'est passé. On a vu comment les gens sont sortis. On a vu, il faut être un parti terroriste pour envoyer des détachements, des forces spéciales de la gendarmerie, de la police, des paracommandos pour aller encercler tout un village, tout un quartier et envoyer des bulldozers pour tout raser. Seul un président terroriste peut faire ça. Et ça, c'est son président Alassane Ouattara. Il y a un contraste entre ce que tu dis et les faits que les Ivoiriens vivent. Les factures d'électricité, je ne vous en parle pas. On est passé du simple au triple en Côte d'Ivoire, de 100 000 à 300 000, à 400 000, à 500 000. Ça, c'est son président. Pourquoi il n'en parle pas? Et les 1 milliard par jour pour la jeunesse, il n'en parle pas. Alassane Ouattara est un président terroriste. C'est celui qui était prêt à déployer des forces armées pour attaquer le Niger. Alassane Ouattara est celui qui a envoyé des mercenaires au Mali. Celui qui était prêt encore à envoyer des mercenaires au Niger. Ouais, je sais qu'on est attaqué. Faites des fois, j'ai fait ma part. J'ai bombardé. J'ai acheté tout à l'heure, là, près de 50 000 forfaits. Hein, pour qu'on puisse avoir le direct, donc je ne crois pas qu'on est attaqué. Hein. Donc allons-y. Je n'ai pas demandé cette fois à quelqu'un, je l'ai fait parce que je dois vous informer. C'est là que je disais la dernière fois à ceux qui sortent pour venir attaquer Keïta. Est-ce que vous avez les moyens pour attaquer Keïta? Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut plus m'attaquer directement sur le fait parce que je ne mets pas directement sur Facebook. Et là, on ne peut pas m'attaquer ici. Même si on m'attaque. Une fois que je me bascule, ce sera compliqué parce que là, c'est une application que j'utilise pour être sur Facebook. Je ne fais pas les directs à partir de la plateforme même de Facebook. Je suis un peu protégé, hein, mais contrairement à ici où je fais directement à partir de Facebook. Alors, non. Alassane Ouattara, voilà ce qu'il fait. Alors, ce petit minable de ministre-là, il croit que les Ivoiriens n'ont pas de mémoire. Les Ivoiriens, ils oublient. Cette rencontre devrait se faire à Abidjan. Pourquoi ils ont déporté Yam Sokro? C'est un calcul politique, en fait. C'est un calcul politique. S'ils le faisaient à Abidjan, ils savaient très bien qu'ils allaient taper poteau. Mais ils sont là à Yamoussoukro, croyant détourner l'attention des gens. On va à Yamoussoukro, et puis la RTI sera là,
la retransmission sera faite. Mais si vous le faites à Abidjan, après les crimes qu'on a commis, les actes terroristes qu'on a commis, allez réveiller les gens à 4 heures du matin avec des bombes lacrymogènes. Seul un parti politique terroriste peut faire ça. Mais il ne le dit pas cette merde à cette cadavre. Je vous ai dit, je suis votre pire cauchemar. Priez Dieu que je ne tombe pas sur vos publications. Sinon, je veux vous dépouiller. Jusqu'à enlever votre culotte. Cette merde-là, est-ce qu'il sait de quoi il parle? Ce voleur-là, est-ce qu'il sait de quoi il parle? La première, il y a eu une première somme. Bon, somme, peut-être l'expression n'est pas trop juste. Il y a eu un premier programme d'investissement, de soutien aux jeunes, où il y a le petit Doutigui, là. Le vilain, on dirait, pour lui a donné l'argent, il allait chercher femme, et puis l'argent est fini, là. Doutigui qui faisait comédie, et puis il a eu succès, là. Ils ont donné l'argent aux gens. Et lui-même, il y a une de ses copines, là, à qui il a dépassé le plafond qui était exigé dans le programme. La go, elle a pris l'argent, elle a lapé parce qu'il a sauté la go, elle dit, elle paye pas parce que tu m'as déjà allumé. Donc l'argent, là, je rembourse pas. Un gars comme ça, là, est-ce qu'il a de crédibilité pour venir parler aux jeunes? Les jeunes de Côte d'Ivoire, vraiment, je ne vous comprends même pas. Mais il y a quelque chose de formateur qui se passait dans la salle que beaucoup de gens n'ont pas fait attention. Ils n'ont pas recruté. Mon petit, ceux qui veulent aller en Ukraine, là, moi, je les encourage. Allez-y en Ukraine. C'est-à-dire que si on trouve vos restes pour mettre dans ce recueil pour amener encore du voilà, c'est que vos parents ont gagné. Est-ce que vous voyez? Où il est? Bachili, donne-moi une seconde là. Donne-moi une seconde s'il vous plaît. Je vais voir quelque chose là. Il y a quelqu'un qui s'amuse avec moi sur un truc là. Permettez-moi, hein. Voilà, c'est ici. Voilà. Donne-moi une seconde s'il vous plaît. Je vais rentrer. Voilà, donne-moi une seconde. Hein. Il y a un maudit qui est là. Voilà, attendez, je dois supprimer quelqu'un. Il y a des imbéciles là. Vous croyez que c'est pas mon direct, vous allez venir vendre vos bêtises et j'ai un mouton. Idiot. C'est sur mon direct, tu as venu vendre mouton. Donne-moi une seconde. Je vais les choses là. Je vais les enlever. Je vends mouton. Mal élevé là. C'est sur mon direct, tu as venu vendre mouton. Idiot. Et moi, c'est là. C'est sur mon direct, tu as venu enlever les choses. Je vends le mouton. Maudit que tu sois. Donne-moi une seconde, s'il vous plaît. Je n'ai pas encore fini. Parce qu'il y a deux directs simultanément, quoi. Donc, Bachili, est-ce que tu peux... Bachili, toi, tu es ici. Est-ce que l'autre direct, là, tu peux te retrouver là? Tu peux te retrouver. Parce qu'il y a un idiot qui est là, qui est en train de m'énerver, quoi. C'est pendant mon direct, tu avais pas ton mouton, imbécile, idiot. Alors donc, Bachili, il faut aller dégager ce gars-là. Bachili, s'il te plaît, va sur l'autre direct là, parce qu'il y a deux simultanés. Il faut aller des choses sur l'autre là. Ici, je parle de celui, pas celui d'ici, parce que je te vois ici, mais je te vois pas là-bas. L'autre là, il faut aller enlever les conneries de ce gars-là. Si on fait les directs, Bachili, tu viens sur celui-là. Moi, je vais gérer ici, toi tu gères ici. Pour éviter que les gens viennent poster leurs bêtises. Idiot, je paye mes unités 50 000. Mal élevé, voleur que tu sois, tu vas vendre. Toi-même là, Dieu va te laisser. Les moutons là, même là, Dieu n'a qu'à les empoisonner et puis ils vont tous mourir. Idiot. Moi, j'enlève mon argent et puis toi, tu viens me dire c'est l'argent sur mon truc. Alors que je dépense dessus. Idiot. Électricité là, tu payes 5 francs dedans. Il y a des maudits comme ça là, j'avais fait publicité. Bachili, pardon, il faut aller là-bas. Dieu n'a qu'à tuer tous tes moutons. Idiot. Alors donc, voilà un gars qui parle. Voilà un gars qui n'a rien. Tu vas voir tes moutons vont commencer à mourir. Là. Tu crois que c'est amusement? Moi, je ne lance pas. Ma parole, j'ai toujours dit, ma parole ne sort pas et puis ça va revenir. Ma parole, là, ça ne sort jamais de ma bouche. Si tu me connais, là, tout de suite, là, tu vas sortir. Wallahi billahi. Ceux qui te connaissent là, ils vont commencer à voir où tous tes moutons là vont commencer à mourir un à un. On s'amuse pas avec Keita. C'est vrai que tu me connais pas.
Si tu me connaissais là, je n'aurais pas fait ça. Les Togolais, les Béninois qui viennent parler de l'affaire de Vaudou là, je les ai recadrés. Donc c'est pas toi petit voleur de moutons là. Dieu va, tous tes moutons là, ils vont commencer à avoir maladie et puis mourir d'agadé. C'est sur mon truc, tu vas venir gagner l'argent. Tu ne demandes même pas pardon, qu'il t'a pardon, je n'ai pas l'argent, il faut m'aider. Et puis tu viens sur mon direct dans la kafri, et puis tu viens, tu as gagné l'argent. Idiot. Dieu va tuer tous tes moutons. 5 francs, tu n'as pas gagné dedans. Imbécile. Donne-moi un cigole là. Les gens sont malhonnêtes, quoi. Quelqu'un fait son truc, et puis toi, tu viens, tu as profité cadeau. Idiot. Alors donc, c'est pas une manière de m'attaquer, mon ami, on se connaît ici. Ça, c'est mon domaine, je connais très bien. Si c'est une façon de m'attaquer, je ne vais même pas m'intéresser à ça. Alors, quand vous écoutez et dit, Alassane Ouattara, sa politique, c'est le bien-être social. Mais quand Alassane Ouattara envoie des commandos, gendarmes et policiers à 4h du matin, encercler un quartier, lancer des lacrymogènes, est-ce que le dégagement exige une intervention à 4h du matin? Si on n'est pas terroriste, est-ce qu'on peut faire ça? Si on n'est pas un président terroriste, si on n'est pas un régime terroriste, est-ce qu'on peut faire ça? À 4h du matin, vous encerclez maison des gens et puis vous lancez des lacrymogènes. Les gens ne peuvent même pas récupérer. Tout ce qu'ils peuvent prendre, c'est quelques habits. Télévision, réfrigérateur, climatiseur, tout est détruit, tout est parti. Et voilà des maudits comme ça là qui disent, ils veulent nous enlever. Maintenant, ils ont compris qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs. Ils ont compris qu'ils ont mal agi. Ils ont compris que les Ivoiriens en ont marre de la politique de Ouattara. C'est un menteur et un manipulateur. Les Ivoiriens se rappellent encore, deux mandats, ça suffit. C'est Laurent Gbagbo qui a dit ça. Non, c'est Alassane Ouattara. Il dit la place des ambitions. Mais la politique, c'est l'ambition. C'est l'ambition que vous avez pour les autres. C'est l'ambition que vous avez pour votre pays. Moi, je suis ambitieux. Pas du genre, je vais prendre l'argent pour mettre dans ma caisse, puisque ce que je fais aujourd'hui, c'est de mes propres fonds. Personne ne m'aide ici. C'est Allah qui vient en aide à son serviteur. Donc, ce que je fais, c'est Dieu. L'ambition, on peut avoir une ambition noble pour son pays. Assimi Goïta a une ambition noble pour le Mali. Le capitaine a une ambition noble et on le voit au quotidien. Comment ces présidents-là sont, en état record, sont en train de changer le visage de nos États. Aujourd'hui, le Niger, non seulement exploite, produit, il vend le brut, il transforme le brut en diesel, essence, goudron et autres. Autres dérivés. Le Niger fait ça. Le Burkina aujourd'hui fait la même chose. Le Burkina, est-ce que vous savez que le premier satellite de Burkina sera sur orbite très bientôt? Les tests ont été faits et les tests sont concluants au Burkina Faso. Je répète, les tests sont concluants au Burkina Faso. Les tests sont concluants. Le Mali, la Russie a prêté un satellite au Mali. Le Burkina, ça c'est la Russie du côté du Mali. Mais pour le Burkina, c'est la Chine. Le Burkina, alors que votre président menteur, corrompu, voleur de tous les temps, il a acheté combien d'avions personnels pour lui-même? Deux Boeing. Il a menti aux Ivoiriens, on aura notre satellite. Mais le Burkina n'a pas l'argent de la Côte d'Ivoire. Le Burkina a déjà conclu. C'est déjà géré, c'est déjà calé. Les tests ont été faits et très bientôt, d'ici la fin de l'année, le satellite burkinabé sera sur orbite avec la Chine. Le Mali, son satellite est en production en attendant que le Mali puisse avoir son propre satellite. La Russie a déjà mis un satellite à la disposition du Mali. Est-ce que la Côte d'Ivoire a ça? Non. Mais la Côte d'Ivoire, selon ce qu'eux-mêmes disent, ils ont plus l'argent que le Mali et le Burkina. Mais pourtant, nous avons déjà deux satellites. En d'autres termes, le Niger arrive. Mais ce n'est pas fini. Quand tu viens, tu veux utiliser la jeunesse. Je ne suis pas PDC, je ne suis pas RHDP. Je soutiens le président Laurent Gbagbo parce qu'il est panafricain. J'accompagne le président Tidiane Thiam parce qu'il a une vision noble pour son pays. Mais je n'accepterai pas. Parce que le problème, c'est quoi? Quand nous refusions de regarder du côté de la Côte d'Ivoire ce qui se joue,
C'est dangereux. Parce que c'est eux qui disent là qu'ils sont, comment ils disent ça, ils sont démocrates. C'est chez eux il y a la démocratie. Nous, on est des putschistes. Eux, ils sont démocrates. Donc, quand quelqu'un vous accuse de tous les maux, de temps en temps, vous regardez comment il gère sa famille. Quelqu'un qui dit que chez vous, là-bas, là, ce sont des voleurs, des prostituées, des brigands, des terroristes, tout ça, c'est chez vous. Vous dites, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais vous regardez, lui qui dit qu'il est tout là, de temps en temps, vous regardez comment ça se passe chez lui. C'est là que vous comprenez réellement ce que c'est que la démocratie. Je vais faire une parenthèse. Au Venezuela, il y a eu les élections présidentielles. Au Venezuela, Maduro a gagné. Les Américains disent qu'il n'a pas gagné et qu'ils reconnaissent l'opposant. Quand Joe Biden, après la pression, a décidé de ne plus être candidat, et c'est moi-même qui ai dit qu'il y a eu un coup d'État constitutionnel ou un coup d'État législatif ou un coup d'État, je ne sais pas, en tout cas, je l'ai dit. Vous n'avez vu personne au monde dire qu'il y a eu un coup d'État aux États-Unis. Personne. Tout le monde a parlé du retrait de Biden comme un fait normal. Mais permettez-vous, pays africain, de demander à un candidat, exiger d'un candidat qui ne soit pas candidat et regarder ce qu'ils vont faire. Alors, quand ce malade, ce menteur, ce voleur, ce corrompu de Touré Mamadou, je vais vous montrer encore son image, cette merde, cette bêtise humaine, cette racaille, cette pourriture de Touré Mamadou, regardez bien. Avant, il n'était pas comme ça. Hein. L'argent volé, l'argent des Ivoiriens l'a rendu propre. Avant, il était chétif. Avant, il était minable. Avant, il était squelettique. Avant, il était maigrichon. Il mangeait tellement mal qu'il avait de la peine à s'habiller correctement. Il pouvait porter la même chemise pendant une semaine. Mais aujourd'hui, il est gros. Il peut parler. Parce que lui et son patron, ils ont suffisamment volé l'argent des Ivoiriens. Je n'ai pas encore terminé avec lui. Alors, son président, son patron, qu'il présente comme le meilleur candidat de tous les temps. À la mort du fouet, je reviens, il dit, j'attendais l'Élysée. Écoutez très bien, s'il vous plaît. Il dit, j'ai envoyé la constitution de la Côte d'Ivoire pour que l'Élysée me donne son interprétation. Waouh! Quelqu'un qui a un PhD, qui est premier ministre, président intérimaire, dit qu'il a envoyé l'article 11 de la Constitution ivoirienne à la France pour que la France lui donne l'interprétation. En d'autres termes, voilà cette merde, ce bâtard-là de Touré Mamadou, cette bêtise humaine qui dit que Alassane Ouattara se soucie du bien des Ivoiriens. Donc, en Côte d'Ivoire, à cette époque, il n'y avait pas de personne capable de lui donner une interprétation correcte. Alors qu'à l'époque, Henriette Dagri-Diabaté était ministre, garde des Sceaux, ministre de la Justice de la Côte d'Ivoire. La même Henriette Diabaté qui l'a nommée grande chancelière et puis après, elle allait à la retraite là. Henriette Diabaté, donc, Alassane Ouattara même ne faisait même pas confiance à ceux qui l'entouraient en 93. Ha, petit bâtard là, il ne connaît pas ça. Ça. Tu t'es dit, si tu fais tes bêtises, là, il faut rester là-bas. Donc, en 93, Alassane Ouattara ne faisait même pas confiance à Henriette Dagri-Diabaté, qui était ministre de la Justice, garde des Sceaux. Alors que c'est elle qui devait, avec ses conseillers, donner une interprétation correcte de l'article 11. Alors qu'il n'y avait même pas de débat sur l'article 11. En cas de décès ou d'indisponibilité du président, c'est le président de l'Assemblée nationale. Article 11. Ouattara dit qu'il a envoyé ça à l'Élysée. Alors que Dagri était là. Diabaté était là, elle ne pouvait pas. Voilà celui qu'il appelle le sauveur des Ivoiriens. Je n'ai pas fini encore avec lui. Quand Bédié a pris le pouvoir et qu'il a été déclaré non-ivoirien,
Le jeu des intérêts a commencé. Ce que cette merde, cette canaille de Touré Mamadou, ce bâtard-là, il dit aujourd'hui, il veut attaquer qui? Le jeu des intérêts. Quand il parle de qui? Il parle de Tidiane Thiam. Mais Alassane Ouattara, qui a manipulé la rébellion? C'est Alassane Ouattara. Qui a fait tomber le pouvoir d'Henri Konan Bédié le 24 décembre 1999? C'est Ibrahim Ibé, qui est mort aujourd'hui, et ses amis, les Zakaria et autres. Où le même Ouattara a parlé de révolution et non de coup d'État, dans un anglais bancal et tordu. Voilà cette merde-là qui nous dit le jeu des ambitions. Mais qui on a vu à la première page quand il y a eu le coup d'État, le 24 décembre 1999 en Côte d'Ivoire, c'est son président, le chef des terroristes en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Vous pouvez aller en 80, vous allez... Coup d'État, Côte d'Ivoire, 99, Alassane Ouattara, vous allez écouter l'anglais bacal, quelqu'un qui a un PhD, qui parle anglais comme ça là, allez vous poser la question, c'est quel genre de PhD il a eu. Allez l'écouter. C'est pas fini. Quand je vais finir avec cette merde là, il va se rincer la bouche et réfléchir cette fois avant de dire des bêtises. Ça c'était Alassane Ouattara. J'ai pas encore fini, je continue. Alors, en 2000, il est écarté par le Conseil constitutionnel. Seul le général président et Gbagbo Laurent ont été autorisés. Bédié aussi a été écarté. Mais Bédié, contrairement à cette bêtise morale, à ce bâtard de Touré Mamadou, Bédié n'a jamais demandé aux Ivoiriens de descendre dans la rue. Bédié dit, je prends acte. J'aime trop mon pays pour le mettre en péril. Mais le Burkinabé qui refuse d'être Burkinabé, alors que moi je suis fier d'être Burkinabé, Alassane Ouattara dit, le pouvoir est dans la rue, descendez dans la rue. Ça, c'est pas le jeu des quitte là, je me mets. C'est pas de ça qu'il a parlé là. C'est ça. Est-ce que lui là, il connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire? Il connaît rien. Quand tu viens nous attaquer, on va te recadrer. Donc Alassane Ouattara, en 2000, écarté, refuse de reconnaître le verdict des urnes. Demande aux Ivoiriens de descendre dans la rue. Ils sont matés. Gbagbo commence la gestion de son pouvoir. Entre 2000 et le 19 septembre 2002, il y a eu 3 tentatives de coup d'État, tous orchestrées par Alassane Ouattara. Depuis la France. N'oubliez pas que en 99, il a sauté la clôture pour aller chez l'ambassadeur de France. C'est là-bas qu'il a eu la vaisseau en 99. Donc en 2002, la rébellion, Kolé Zakaria, je n'ai rien à vous apprendre, Kolé Zakaria a tout dit sur les réseaux, il s'est toujours disponible, vous pouvez écouter. Quand une merde pareille vient parler, ça fait honte. Pendant les négociations, Accra 1, Accra 2, Lomé 1, Lomé 2, Lomé 3, Pretoria, Marcoussi, Alassane Ouattara a tout torpillé avec Soro Guillaume. Jusqu'à ce que les discussions directes de Ouaga entre Soro et Gbagbo pour mettre un terme à la rébellion. Ouattara n'a jamais pardonné à Soro Guillaume. Ça, ce petit bâtard-là qui insulte Soro, qui insulte les autres, mais il fait semblant de ne pas reconnaître. Vous savez, au RHDP, ils ont cette malhonnêteté intellectuelle et morale, cette malhonnêteté historique de balayer du revers de la main tous les méfaits de Ouattara. Mais les autres, on les accuse de tout. Ouattara, il est blanchi, c'est le demi-dieu. Donc tout ce que les autres ont fait, tout ce que les autres ont fait, on refuse de reconnaître. On dit, c'est Alassane Ouattara, c'est le meilleur. Les mensonges de Ouattara, les attaques de Ouattara, les velléités de Ouattara, les manipulations de Ouattara, on n'en parle jamais. Mais les autres, on en parle. Parce que si tu te trompes pour parler de ça, Ouattara va te faire disparaître. Je n'ai pas encore fini cette merde-là de Touré. On allait aux élections. L'OTAN, Ouattara demande à l'OTAN d'intervenir. Il demande à la CEDEAO, à l'Union africaine, de saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui demande à l'OTAN d'intervenir en Côte d'Ivoire contre Laurent Gbagbo. Alors que Laurent Gbagbo, c'est un individu, mais contre les Ivoiriens. Voilà un bâtard comme ça qui parle, mais qui oublie vite. Maintenant, je n'ai pas fini. En 2020,
Il refuse. Gbagbo était encore là. Et il ne voulait pas se retirer. La pression était telle que il a été obligé de se retirer. Au profit de qui? De quelqu'un qui était déjà mort. Quelqu'un qui était parmi nous, mais qui était déjà mort. Ce monsieur-là, Dieu m'avait fait la grâce de savoir que c'était déjà fini pour lui. Je l'avais dit, on ne m'a pas écouté. J'ai dit, c'est fini pour toi. Tu ne verras même pas les élections. Tu ne verras même pas 2020. Et c'est lui que Ouattara a choisi. Alors que les docteurs du monsieur, après plusieurs chutes, puisqu'il avait reçu une transplantation cardiaque du cœur, son cœur était pourri. On l'avait branché sur des appareils pour le maintenir en vie. Quand Ouattara a gagné, on l'a tout de suite amené à Paris. Il attendait un donneur. Il était en bas de la liste. Mais Ouattara a déposé les millions des Ivoiriens sur la table. Tout de suite, il a été projeté en première place. Donc, puisque Sarkozy était l'ami de Ouattara, c'est Sarkozy qui était président à l'époque, avant l'arrivée de Hollande. Donc, il est passé en première place. Pop, on lui a donné un cœur. Mais on lui a donné aussi le cœur qu'on a donné. On a donné la durée de vie. Et là, cette durée de vie aussi, les docteurs ont été très clairs, il ne faut pas lui mettre la pression. Sinon, il y a de fortes chances qu'il n'atteigne pas. Ouattara savait tout ça. Il était le seul qui avait le bulletin médical de Amadou Gon Coulibaly. Ni les épouses, ni les enfants, ni la maman d'Amadou Gon, aucune personne dans l'entourage de Gon ne connaissait. Alassane Ouattara était le seul. Et je suis sorti à l'information. Comment je l'ai eu? Je vous ai toujours dit, ne cherchez pas ça. Ça, c'est Dieu qui fait faveur. Et j'ai développé. C'est après ça que les gens ont commencé à faire des recherches. Et puis, les fuites ont commencé et les gens ont commencé à en parler. Ce sont tous ceux qui viennent pour dire, je suis premier, hé, passez votre route. Depuis Korogo, je lui avais déjà dit que c'était fini pour lui. Il a fait un meeting. Un samedi à Korogo, je lui ai dit, tu as dépassé et Dieu me charge de te dire, c'est fini pour toi. À moins que tu te ressaisisses. Gon Coulibaly est parti. Amen Bagayoko, on l'a averti, il n'a pas écouté, il est parti. Donc, toi, tu ne peux pas nous parler. Qu'il nous montre dans l'entourage de Tidjan Thiam, qui Tidjan Thiam a tué. Alassane Ouattara, Amadou Soumaoro est mort. Hein? Amadou Bagayoko est mort. Amadou Gon Coulibaly est mort. Il y a quel d'autre encore là? La femme de la petite femme Ouattara de Djéné, là, on a tué son mari, conseiller de Ouattara. Son mari est mort. Qui encore? Il a tué trop de personnes autour de lui. Alors toi, un idiot comme ça, tu as venu parler de Ouattara, c'est un terroriste. Qui a détruit la vie d'Adama Bitogo? Adama Bitogo ne tient à rien aujourd'hui. Ils ont détruit la vie du gars. Ils ont détruit sa fortune. C'est fini pour lui. C'est fini pour Adama Bitogo. Qui a détruit Adama Bitogo? C'est son patron. Alors, il y a des cas. On n'a pas envie d'entrer dedans. Mais alors aujourd'hui, quel est le problème? Le problème, c'est que les Ivoiriens disent, à travers Gbagbo Laurent, vous dites que je ne suis pas candidat. Prouvez-moi pourquoi je ne suis pas candidat. Si je suis accusé de quelque chose, je vous dirai qu'on m'apporte la preuve de la condamnation dont je suis objet. Alors, au lieu de vous acharner sur les jeunes de Côte d'Ivoire, à vouloir les manipuler, Gbagbo dit, apportez-moi la preuve de ma condamnation. Pourquoi vous ne donnez pas à Gbagbo Laurent la preuve de sa condamnation? Soro Guillaume condamné pour des faits. Toute la Côte d'Ivoire attend les preuves. Adou Richard, tout le monde sait qu'il va mal mourir. Ça, on ne se précipite même pas pour savoir ce qu'il est aujourd'hui. Dieu seul sait. La maladie qui est en train de le ronger, là, ça va faire jour bientôt. Vous allez le voir. Alors, apportez la preuve. Quand vous dites que quelqu'un fait quelque chose, apportez la preuve. Les Ivoiriens, c'est ce qu'ils demandent. Donc, vous-même, vous entretenez le flou. Vous préparez votre jeunesse à la violence. Si vous êtes un parti organisé, si vous êtes un parti, si vous êtes vraiment légaliste comme tu prétends, ben, donnez à Gbagbo Laurent la preuve de sa condamnation. Donnez à Soro Guillaume la preuve de sa condamnation. Jusque-là, c'est impossible. Et vous, il y a la rhétorique, vous maintenez le flou, vous encourager les jeunes gens à la violence. Mais Gbagbo dit, pourquoi? Merci beaucoup, Watao. Merci, Ibrahim. Alors,
Babo dit, bon, montrez-moi pourquoi je ne suis pas éligible. Pourquoi je ne suis pas éligible? Vous l'avez condamné, pourquoi? Mais cette BCAO-là, la preuve, elle est là. La BCAO n'a jamais porté plainte contre Laurent Gbagbo. C'est l'État de Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, ceux qui ont porté plainte, ceux qui ont jugé Gbagbo Laurent, c'est ceux-là même qui ont été payés par l'argent de la BCAO. En tant que président de la République, il a nationalisé la banque centrale de la BCAO qui appartient à l'État de Côte d'Ivoire. Il n'a pas cassé, il a pris un décret pour nationaliser et payer les fonctionnaires ivoiriens. C'est ça qu'on appelle casser la BCAO là. Tous ces maudits qui sont là aujourd'hui là, n'ont-ils pas bénéficié de ce salaire là? Cette merde, ce bourrin, ce bâtard de Touré là, est-ce qu'il peut apporter la preuve? On a cassé avec la casse de la BCAO. La BCAO, les preuves sont là parce que Justin Katina a été interpellé au Ghana sur la preuve de ce mensonge. Mais entre-temps, Justin avait déjà le document de la BCAO et la BCAO n'a jamais porté plainte. Merci à toi, Clémentia. La BCAO n'a jamais porté plainte. Et quand Justin s'est retrouvé face à la justice ghanéenne, l'avocat de Justin a présenté les documents de la BCAO. La BCAO dit, nous n'avons jamais porté plainte contre qui que ce soit. Puisque il y a ce qu'on appelle une assurance. Quand une banque est attaquée, ça aussi c'est une information que je vais vous donner, vous pouvez mettre ça à votre article. Pour ceux qui le savent, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une information que vous devez savoir à votre niveau. Quand vous déposez votre argent à la banque, c'est assuré. La banque assure votre argent. Mais si la banque brûle, on vole au, la banque a brûlé au, la banque a subi attaque au, votre argent vous sera restitué parce que votre argent est garanti. La banque garantit votre dépôt. C'est pourquoi la BCAO dit l'argent déposé à la BCAO est garanti. On n'a pas. Et puis d'ailleurs, pour porter plainte contre quelqu'un, il faut bel et bien que vous voyez quelqu'un qui vient d'agresser. Est-ce qu'il y a des captures vidéo? Toutes les banques ont des vidéos. Est-ce qu'on a vu des gens aller ouvrir les coffres de la BCAO? Non. C'est le trésor ivoirien qui a été mandaté pour payer les Ivoiriens. Et la BCAO a mis les fonds disponibles au niveau de la, du trésor ivoirien pour procéder au paiement dans les différentes banques. Alors, pourquoi vous dites qu'il y a eu casse? On n'a pas vu quelqu'un avec des armes. C'est un décret qui a mis l'argent des Ivoiriens à la disposition des Ivoiriens. Et le trésor a payé les Ivoiriens en fonction de l'argent, de la disponibilité, de la liquidité. Et tout a été fait de façon transparente. Où est la casse qui est là? Quand je dis ce monsieur n'est pas allé à l'école, vous vous fâchez avec moi. Quand je dis son PhD là, c'est un faux PhD, vous vous fâchez avec moi. Quand je dis c'est l'homme le plus aigri du monde, le plus rancunier du monde, il veut chercher, il veut se venger de Gbagbo Laurent par tous les moyens. Parce que Gbagbo Laurent a été son allié. C'est pourquoi ce petit bâtard de Touré, quand il parle d'alliance de la gauche, ce petit bâtard qui ne connaît pas l'histoire, ce petit bâtard de Touré qui ne reconnaît rien à rien, son président, Alassane Ouattara, s'est allié avec Laurent Gbagbo. À 80, combien là? C'était à 80, combien les gars? C'est à 94. Alassane Ouattara était allié à Laurent Gbagbo. Et c'est à cause de Ouattara que Gbagbo a refusé d'aller aux élections en 94. Est-ce que je mens? Si un Ivoirien qui dit de ce nom, je vous attends au tournant. Le Front républicain. Alassane Ouattara, Gbagbo Laurent. Voilà un petit bâtard qui veut. C'est-à-dire, les gens du RHDP, là, ils veulent effacer une page de l'histoire. Mais ils ne peuvent pas. Ça, c'est une partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire que personne ne peut passer. On attend ici, rassemblement, maudit que tu sois là. Est-ce que Alassane Ouattara, le RDR, n'était pas avec Gbagbo Laurent dans le Front républicain? Ça, c'est un. Alassane Ouattara n'était-il pas avec Henri Konan Bédié à son âme dans le RHDP? Mais où est le problème qui est là, là? Même le nom de votre parti, là, ce n'est pas pour vous. RHDP, là, ce n'est pas création d'Alassane Ouattara. RHDP, là, c'est Bédié. Et Soro Guillaume a dit, Bédié a couru derrière Alassane Ouattara parce que Ouattara croyait qu'il pouvait gagner les élections sans Bédié.
Soro a dit, tu ne peux pas gagner les élections sans Bédié. Je suis dans le pays, je suis premier ministre, je connais la tendance, tu ne peux pas. Il a cru qu'il pouvait, il ne voulait même pas s'allier, il voulait même pas s'allier à Bédié. Il ne voulait pas s'allier à Bédié. On est au courant. Alors comment ce petit bâtard là-bas Bédié s'est arrêté devant les jeunes, et jeunes de Côte d'Ivoire, à cause de Dieu. Arrêtez de vous faire manipuler. Connaissez votre histoire. Connaissez la politique. Cherchez à comprendre la vérité. Ces gens-là veulent détourner la vérité à leur profit. Faites attention, jeunes de Côte d'Ivoire. C'est le message que moi je vous donne. C'est tout. J'ai tout. Le RHDP n'est pas la création d'Alassane Ouattara. Le RHDP est la création d'Henri Konan-Bédié. Et Soro est celui qui a travaillé dur pour amener Alassane Ouattara dans le RHDP. Et c'est ce même Soro-là que Alassane Ouattara aujourd'hui est en train de combattre. Comment les gens sont ballottés? Et vous croyez que vous allez gagner ce combat-là? Oui. Pour le moment, vous êtes au pouvoir. Alassane Ouattara, sa vie, ça reste combien d'années? Et vous, les jeunes-là, qu'est-ce que vous allez devenir? Vous croyez qu'Alassane Ouattara est immortel? Jeune de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara n'est pas immortel. Jeune de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara va mourir bientôt. Je ne vous cache pas. Il est malade. Il sait. La maladie qui a emporté Oufoué, c'est la maladie qui va l'emporter. C'est la même maladie qui a emporté Mobutu Sese Seko. C'est la même maladie qui a emporté Faure Gnassingbé, Oumar Bongo. Vous croyez que Ouattara va rester pendant combien de temps? Mais quand ces jeunes gens-là, ces idiots-là, aujourd'hui, malgré tout l'argent que Mobutu a volé, comment vit la famille de Mobutu? Si Faure n'était pas au pouvoir, quelle serait la vie des Faure après leur papa? Si les Bongo n'étaient pas au pouvoir, quelle serait leur vie après Oumar Bongo? La Côte d'Ivoire n'est pas liée à la vie d'Alassane Ouattara. Oufoué, il a dit, qu'est-ce que la vie d'un être humain face à la vie d'une nation, d'un peuple? Vous continuez à mentir, à mentir, à mentir, à mentir et à mentir. Oui, c'était l'élection de 1995. Ils ont créé le Fonds républicain en 1994 pour aller aux élections en 1995. C'est là que Gbagbo a refusé d'aller aux élections en 1995 parce qu'il dit que pourquoi Alassane Ouattara a été recalé. C'est le même Alassane Ouattara parce que Gbagbo a refusé d'aller aux élections pour lui. Gbagbo devait faire la même chose en 2000. Gbagbo dit c'est pas lui qui a écrit les tests. C'est pas lui. Lui, il joue par les règles. Les règles, là, lui, il ne les modifie pas en cours de jeu. Est-ce que Gbagbo est tort? Gbagbo dit je ne modifie pas les règles du jeu pendant le jeu. Je suis un acteur du jeu. Pourquoi tu veux que je modifie? Parce qu'Alassane Ouattara voulait que Gbagbo reprenne les élections. Voilà pourquoi il a essayé par tous les moyens pour déstabiliser le régime de Laurent Gbagbo jusqu'en 2010, jusqu'en 2002. Ce qui fait que jusqu'à la date d'aujourd'hui, il refuse de pardonner à Gbagbo. Alors, vous savez, il y a des gens qui peuvent avoir des maladies et puis mourir dans des conditions plus ou moins honorables. On peut dire tout de Faure Gnassingbé, mais j'ai suivi un peu comment... Vous savez, quand moi je parle, je suis quelqu'un, je fais tout pour connaître un peu la personne. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, quand il y a un bâtard qui est ici, là, vous savez, à Liutal, tu es un bâtard, mille fois bâtard et toute ta famille est bâtard. Maintenant, tu viens ici, Alliance des esclaves soviétiques. Oui, on est fiers d'être Alliance des esclaves soviétiques parce qu'au moins avec eux, on a notre souveraineté. Au moins avec eux, on fait ce qu'on veut. On ne nous dit pas ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire. Au moins, il y a de l'esclave. Dans tous les cas, l'homme est toujours esclave de quelque chose. Même toi, tu es esclave de Keïta en ce moment-là. Parce que tu es là, tu subis Keïta, donc tu es l'esclave de Keïta. Tant que tu restes connecté là, tu es mon esclave parce que tu subis, tu écoutes. Tu ne peux rien empêcher. Ce que tu écris n'a aucune portée. C'est ma voix qui porte. Je t'insulte, le monde entend. Je te dénigre, le monde entend. C'est toi qui es. Tu es l'esclave de Keïta parce que tu es là. Dès que je suis là, l'idiot d'esclave, il est là. Alors donc, quand vous regardez ce qui se passe avec Ouattara n'a jamais
pardonner à Laura Gbagbo. Pour lui, Gbagbo l'a trahi en 2000. Soro Diop l'a trahi en 2002. Non, ça ne fournait pas 2002. Là où j'ai eu, oui, les négociations, je ne sais pas en quelle année il y a eu les négociations là. Soro l'a trahi à cette époque-là parce que comment on appelle ça? Non, j'ai demandé, il est sur YouTube, là, j'ai un modérateur, après mon direct, je vais lui parler parce qu'il y a quelqu'un, il laisse certains commentaires sur YouTube, là, je n'aime pas, je vais lui dire, il n'a qu'à désactiver les commentaires de YouTube. Comme ça, celui qui veut raconter sa vie, ce sera lui seul. Je vais le gars de Dania TV, je vais lui demander de désactiver les commentaires. Je ne veux pas de commentaires pendant le direct sur YouTube. Parce que quand moi je fais mon direct sur YouTube, je n'ai pas de commentaires. Mais ici, il permet aux gens, et ça ce n'est pas bon. Moi je ne suis pas journaliste, pour dire que je suis impartial, les gens vont dire ce qu'ils veulent. Moi je suis un dictateur pendant mon direct. Tu ne viens pas dire ce que tu veux pendant mon direct. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous voyez? Alors donc, ça fait plaisir. Donnez-moi une seconde s'il vous plaît. Je vais rapidement gérer ça. Parce que là aussi, Pardonnez. Alors, donc, quand vous voyez Laura Gbagbo, par exemple, qui refuse de... J'ai dit Laura Gbagbo, pardon. Alassane Ouattara qui, par exemple, voilà, je vais gérer ça. Je suis en plein direct. Voilà, je vais gérer ça. Attendez, je vais rentrer dans les commentaires là et puis je vais tout supprimer. Voilà ça. Dormez, c'est quoi là? Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas accepter. Ok. Si on doit faire. Voilà. Excusez-moi, il y a des idiots que je veux enlever de mon direct là. Voilà. Je vais le faire. Hein? Ne vous en faites pas. Je vais le faire. Je vais le faire rapidement. Quand vous venez ici, voilà. Ok, on remonte rapidement. Voilà. Ok, voilà. Le bâtard, là, il est là. Où il est? Allez où? Voilà, toi, tu vas aller continuer ailleurs. C'est plus sur mon direct ici. Voilà. C'est bon. Moi-même, je vais faire ça directement sur Dania TV parce que je suis administrateur. Donc, c'est bon. Alors, vous comprenez, quand Alassane Ouattara garde toujours rancune contre Laura Gbagbo, mais quand lui parle de la politique, là, est-ce qu'Alassane Ouattara, il est conséquent avec lui-même? Alassane Ouattara est aigri. Alassane Ouattara est rancunier. Alassane Ouattara est malhonnête. Alassane Ouattara, il ne veut voir personne si ce n'est pas lui-même. Sinon que cette bêtise humaine, cette merde, cette canaille-là, ce bâtard de Touré Mamadou, qui l'explique? Qu'est-ce que Alassane Ouattara reproche effectivement à Soro Diop? Le fait d'avoir refusé d'adhérer au RHDP, c'est le crime de Soro Diop. Laura Gbagbo, son crime, c'est quoi? C'est le fait d'avoir dit que ce n'est pas moi qui fais les tests. C'est ça? Alors, c'est ça son problème? C'est ça? C'est ça le problème là de choses comme on appelle ça de Soro Diop? Quel tort il a fait? Qu'est-ce que Gbagbo a fait? Tidiane Thiam qu'on accuse, il a fait quoi? Parce qu'ils ont cru qu'ils pouvaient manipuler Tidiane Thiam pour avoir le PDCI à leur côté. Mais aujourd'hui, là, vous êtes tous contre la Côte. Ça veut dire que vous êtes. Le RHDP est contre toute la Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité. Le RHDP est contre toute la Côte d'Ivoire. Alors, vous allez où avec ça? Maintenant, c'est les jeunes que vous voulez utiliser. C'est les jeunes que vous voulez manipuler. C'est pourquoi je dis jeunes de Côte d'Ivoire. Arrêtez de vous faire manipuler par ce régime terroriste. C'est eux qui ont... Pourquoi je dis régime terroriste? Les États-Unis, c'est un pays terroriste. La CIA est la plus grande organisation terroriste que l'humanité ait jamais connue. Vous n'avez pas besoin d'écouter Keïta. Vous n'avez pas besoin... Allez-y écouter les chaînes de télévision. Vous allez voir la preuve. Les Américains sont les plus grands terroristes. C'est eux qui ont fabriqué la plupart de tous les chefs terroristes que nous connaissons aujourd'hui.
L'Ukraine a avoué publiquement qu'elle est l'État terroriste qui soutiendra le terrorisme dans le Sahel, mais qui offre des bases à l'Ukraine en Côte d'Ivoire. C'est Alassane Ouattara. Si on n'est pas terroriste, c'est Alassane Ouattara est celui qui veut faire croire qu'il est. Alassane Ouattara allait s'opposer aux actions terroristes de l'Ukraine. Est-ce que la Côte d'Ivoire a parlé? Pourquoi ce bâtard-là n'explique pas aux Ivoiriens ce que l'Ukraine a fait? Parce que ce que les Ivoiriens n'ont pas oublié, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement les Baoulés, les Corogolais, les Sénoufos, les Abourés, les Alhadjans, les Adjoukrous, les Agni, les Koulango, les Bété et autres. C'est pas ça. C'est un petit port, c'est-à-dire c'est un mélange culturel, c'est un mélange sociologique, c'est un métissage. Et le métissage à Côte d'Ivoire est très fort. Ce qui veut dire que le soldat, peut-être malien, qui a perdu la vue, il a une ramification d'une certaine manière en Côte d'Ivoire. Soit il a des amis, soit il a des parents proches ou lointains en Côte d'Ivoire. Alors votre président là, il dit qu'il soutient un État terroriste. Si lui-même il n'est pas terroriste, il ne peut pas soutenir un État terroriste. Tout ce que je peux vous dire, ils vont essayer de créer la psychose au sein de la jeunesse, faire croire que ceux qui vont venir vont détruire les acquis. Alors que nous savons que Alassane Ouattara a eu de 2011 à 2024, le compte pour le moment, c'est plus de 100 000 milliards. Je dis bien plus de 100 000, je crois que c'est 130 000 ou 150 000 milliards que Alassane a eu entre ses mains pour mettre la Côte d'Ivoire debout. Vous avez bien compris. Plus de 100 000 milliards. Qu'est-ce qu'il a réalisé avec les 100 000 milliards? Vous l'avez entendu parler de seulement 6 000 milliards de la dette ivoirienne. Aujourd'hui, lui, il a près de 35 000 milliards de dettes. Mais pour lui, il trouve que c'est bon. Pour lui, l'économie marche. Pour lui, la performance est là. Mais quand c'était 6 000, c'était l'hécatombe. Alors, de 6 000 à 35 000 milliards, qu'est-ce que vous retenez? Un président qui a géré plus de 100 000 milliards de 2012, 2011 à 2024. Je dis bien de 2011 à 2024, il a géré plus de 100 000 milliards. Ne me croyez pas, les chiffres sont disponibles. Et ce n'est pas des chiffres que les gens ont inventés, ce sont les chiffres même de l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les chiffres même de Alassane Ouattara. Alors, donc, j'ai dit quelque part, vu que dans le communiqué du Mali, on va par rapport à l'agression de l'Ukraine, c'est, je vous ai dit, c'est une émission spéciale que nous allons faire certainement demain par la grâce de Dieu. On va développer en long et en large, développer très bien. Je ne sais pas si je pourrais faire deux directs demain, mais si je me réveille un peu tôt, on va faire un direct sur ça et puis un autre direct le soir. Parce que ce direct-là, il faut qu'on va parler. Pas celui-ci, mais sur le communiqué. Parce que le Mali a mis en garde et le Sénégal, et la Côte d'Ivoire, et la CEDEAO, et certains pays qui sont alliés avec l'Ukraine. Il y a quelqu'un qui a écrit tout à l'heure que la Côte d'Ivoire a roulé le tapis rouge pour l'OTAN. Oui. J'ai toujours dit dans mes interventions que le président Muammar Kadhafi, le guide libyen, a commis une erreur. Kadhafi a commis une erreur grave. L'erreur de Kadhafi, c'était quoi? Kadhafi avait les armes, mais l'armée de Kadhafi était composée de mercenaires, c'est-à-dire les Touaregs maliens, nigériens et mauritaniens. Donc ça fait que les gens n'avaient pas la fibre patriotique pour mourir pour la Libye. Ils étaient bien payés, mais ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts, pardon, à donner leur vie pour la Libye. C'était l'erreur de Kadhafi. Parce qu'il n'a pas voulu que les Libyens eux-mêmes soient militaires. Il a fait en sorte que les Libyens vivent peinards. Donc, ce sont seulement les officiers supérieurs qui étaient des Libyens. Mais les soldats du rang, c'était les Touaregs
avec d'autres nationalités. Et c'est l'erreur fatale de Kadhafi. Ceux-là n'étaient pas prêts pour mourir pour lui. Donc, ils ont été corrompus à la première heure. La DGSE les a infiltrés, ils ont corrompu. Quand ça a éclaté, ils ont tous fui. Ils ont fui. Mais l'erreur de Kadhafi ne va pas arriver ni au Burkina, ni au Mali. Si l'OTAN veut lancer une opération ici, nous allons frapper sur les territoires de l'OTAN. Vous avez bien compris. Je vous ai dit que la zone des trois frontières permet de lancer des missiles et atteindre n'importe quelle capitale dans le monde. Si il veut, le courage que Kadhafi n'a pas eu pour lancer des missiles en France, ce courage-là, nous, on a ce courage-là. S'il nous attaque, wallahi billahi, on va lancer des missiles en Europe, au nom de Dieu. Ils le savent. Ils savent que le capitaine, là, ils le savent. Ils nous attaquent, soit ils vont nous anéantir, soit on va les anéantir. C'est une certitude. Et ça, nous, on est prêts pour ça. Donc l'OTAN sait. L'OTAN peut sortir ses bus, s'arrêter en Côte d'Ivoire. Mais si l'OTAN rentre dans notre carré, là, wallah, billah, mais ah, vous vous abusez. Poutine a dit quoi ce temps-ci, là? Vous voyez ce que Poutine est en train de démontrer? Vous avez vu les bateaux qu'il a fait partir, les trucs là, les sous-marins qu'il a fait décoller, ce qu'il est en train de faire, des bombes qu'il est en train de lancer ces derniers temps en Grèce, que vous les voyez. Bon, nous, on n'a pas de problème. S'ils veulent nous attaquer par rapport à l'OTAN, on va riposter. Ils ont attaqué la Syrie. Est-ce que Bachar n'a pas riposté avec le soutien de la Russie? L'OTAN a pu faire quoi? Ils sont en Ukraine avec le soutien massif que vous connaissez. Ils ont pu faire quoi? Ce n'est pas qu'on aime, mais on ne permettra pas à l'OTAN de nous dire ce qu'on doit faire. Parce que si un pays africain fait de son pays une base aérienne de l'OTAN pour nous attaquer, on va larguer une bombe sur la capitale de ce pays-là. Peu importe qui on va tuer. Peu importe. Je répète. Si l'OTAN se sert d'un pays pour vouloir lancer des opérations dans le Sahel, la capitale de ce pays-là sera prise comme cible. Ça, c'est une certitude. Il ne faut même pas que vous allez douter de ça. La capitale de ce pays-là sera prise pour cible. Nous, on n'a pas peur. On n'est même pas inquiété. Ouattara peut recevoir toute l'armée du monde là-bas. Ça, ce n'est pas notre problème. Si les Ivoiriens sont d'accord avec ça, c'est leur problème. Nous, on n'a pas de... Mais faire de son pays une base pour nous attaquer, on va riposter. Ça, au moins, c'est quelque chose que je peux vous dire. Nos autorités, là, ce n'est pas des politiciens, ce sont des militaires. Et les militaires, là, eux, ils ne vont pas s'humilier devant l'OTAN, encore moins Ouattara ou un autre pays. Ils ne vont pas le faire. Alors, Touré Mamadou, il veut manipuler la jeunesse. Et je dis aux jeunes de Côte d'Ivoire, faites beaucoup attention. Ne vous laissez pas manipuler. Le RHDP n'a jamais honoré sa parole en Côte d'Ivoire. Le RHDP ne vous a jamais aidé. Après avoir démoli les maisons de vos parents, ils savent que s'ils s'adressent à vous à Abidjan, vous allez les huer. Pourquoi ils ont fui à Abidjan pour aller à Yamoussoukro? Parce qu'ils savent les bêtises qu'ils ont faites à Abidjan. Un déguerpissement, et c'est à 4h du matin qu'on vient avec les commandos lancer les lacrymogènes pour déguerpir des gens. Si ce n'est pas un gouvernement terroriste, qui peut faire ça? Que les jeunes de Côte d'Ivoire se posent cette question. Pourquoi ils sont allés à Yamoussoukro? Parce qu'ils savent les bêtises qu'ils ont faites à Abidjan. Maintenant, est-ce que Tidiane Thiam ressemble à quelqu'un qui doit faire un coup d'État? Est-ce que Laurent Gbagbo ressemble à quelqu'un qui doit faire un coup d'État? Donc, ils vont vous faire croire que ces deux-là veulent faire un coup d'État. Tidiane Thiam est plus légaliste. J'ai dit que c'est quelqu'un que je ne vais pas soutenir parce qu'il est trop dans les papiers. J'ai toujours dit ça ici. Ma soeur Clémence qui est là, tu dis vrai? Clémence, elle sait très bien. Elle est PDC 100%. Je l'ai dit. Mais quand Tidiane Thiam est venu à la stratégie du nombre, si on vole les élections, c'est parce que vous ne votez pas correctement. Si vous votez correctement, vous allez gagner. Il vient à la stratégie d'Ousmane Sonko qui a dit quoi? Ousmane Sonko ne sera pas un blocage. Allez vous inscrire sur la liste électorale. Ne pensez pas que je suis en prison, qu'il n'y aura pas d'élection. Il y aura élection. Ousmane Sonko l'a dit. Il dit, allez vous inscrire. C'est ce qui a fait qu'ils ont gagné au premier tour. Et le RHDP voit ça comme une défaite.
Si les Ivoiriens s'inscrivent, et l'appel que je peux lancer à mes frères Ivoiriens, les jeunes, ne vous laissez pas manipuler par le régime terroriste RHDP de Ouattara terroriste lui-même. Allez vous inscrire. C'est la seule façon de changer votre vie. C'est la seule façon de changer le cap politique. C'est la seule façon de faire l'expérience autrement que Ouattara. Gbagbo était en guerre de 2000 à 2010. Il n'a pas appliqué son programme. Tidiane Thiam était ailleurs. Il faisait ses affaires et il a appris puisqu'il a participé à un grand nombre de rencontres international à travers le monde et il a vu la gestion des États dans le monde. Il a une expérience que les deux peuvent apporter à la Côte d'Ivoire. Vu que Soro est contraint en exil, donc lui, je ne le mets pas dans le lot. Les deux, vous pouvez changer la Côte d'Ivoire. On ne vous demande pas d'aimer Gbagbo Laurent. On ne vous demande pas d'aimer Tidiane Thiam. On vous demande de vous aimer vous-même et aimer votre pays. Seul le nombre va changer. Tidiane Thiam vous dit, allez vous inscrire. Gbagbo Laurent dit, je serai sur la liste. Ne vous inquiétez pas pour moi. Allez vous inscrire. Arrêtez ces conneries que le RHDP essaie de... cette manigance pour vous effrayer. Non. Allez-y vous inscrire. C'est le nombre qui va faire la différence. Nous ici, là, on décide pour nous-mêmes. On va décider quand on va faire nos élections chez nous ici. Donc pour nous, là, laissez ça. Parce que déjà, nous, là, nos présidents font ce que nous voulons. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Même si 10 ans, il reste sans faire élection, nous, on n'a pas de problème. Mais vous, vous avez de sérieux problèmes. Vous avez un voleur, un grand bandit, un terroriste qui est à la tête de votre pays, Alassane Ouattara. Et il a ses lieutenants terroristes qui viennent vous battre. Parce que le langage terroriste qu'ils tiennent là, ce n'est pas ce que les gens disent. Ce n'est pas ça. Moi, je me fâche toujours avec le PDCI. Elle est là, Clemcia. Il a dit le PDCI, là, c'est un parti qui dort. Ils disent non violence, non violence. Alors, quelqu'un qui n'aime pas la violence, quelqu'un qui dit la paix. Quelqu'un qui dit la paix, c'est pas un verbe mais un comportement. Comment vous pouvez dire que celui-là veut vous enlever par tous les moyens? Il faut un malade, un menteur, un corrompu comme Touré Mamadou, une vermine, une crapule comme Touré Mamadou. C'est faux. Ils veulent pas utiliser la violence pour les enlever du pouvoir. Ils veulent utiliser les urnes pour les enlever du pouvoir. Il est temps que Ouattara quitte le pouvoir. D'une manière ou d'une autre, Ouattara va partir. Ça, au moins, c'est une certitude. Comment Dieu va le frapper? S'il veut tuer des Ivoiriens pour se maintenir, Dieu va régler son compte. Son mandat est terminé. Le temps que Dieu lui a donné à Ouattara, la banao. Et si vous voyez, c'est, le temps de Dieu à Ouattara, c'est fini. Moi, j'ai déjà dit que spirituellement, Ouattara, son mandat est terminé. Il a fallu combien d'années pour que vos pasteurs, vos soi-disant prophètes, vos évêques bien dit qu'ils ont reçu révélation, ils ont prié, Dieu leur a révélé. Ah, pour moi, il y a combien de temps je vous ai dit que Dieu a déjà terminé Ouattara, spirituellement Ouattara, Dieu a fini à lui. Moi, j'ai dit ça 2 ans avant que vous soyez déjà pasteur, prophète ou quoi que ce soit, vienne parler. Moi, j'ai dit pour moi il y a longtemps. Soyez d'accord, ne soyez pas d'accord, Keïta s'en fout. Lui, il dit pour lui, parce qu'il sait que c'est le patron des patrons qui met dans sa tête, Dieu lui-même. Donc, je n'ai pas peur quand je parle, parce que je suis sûr que ce que je dis là, ça vient de lui. Ouattara, c'est fini. Touré, là, il vient de me donner la preuve. Touré Mamadou vient de me donner la preuve que Ouattara, c'est fini. Ne croyez pas à ce langage bidon qu'il a tenu. Hein. Ouattara, Abana. Je vous le répète, Ouattara, c'est fini. On se retrouve demain, Inch'Allah. On reprend le Damsa demain. On reprend la promotion demain. Hein? Ça, c'était un premier test par rapport à. Au nouveau partenaire Dania TV. Hein? On a vu les erreurs pendant le premier direct. On va essayer de rattraper les manquements, les petits directs, les petites erreurs. On va essayer de rattraper ça, Inch'Allah. Donc, on est ensemble. On garde le contact. Clemcia. Clemcia. Et, Bathily, il faut donner le numéro à Clemcia. Il y a ma griotte là qui est malade. J'ai demandé à chacun d'envoyer 5 000 sur son compte Orange. Hein? Si vous envoyez 25 000, c'est bon. Il dit, commencez à envoyer l'argent à Bako. Hein? Clemcia, il faut envoyer l'argent. Elle, c'est Orange Money Pro. Donc, si vous envoyez autre chose, elle ne pourra pas. Hein? Envoyez Orange Money seulement. Voilà. Je vous envoie son numéro. J'envoie encore. 79 42 15 17.
Awa Bako Diabaté. Hein, elle est un peu souffrante, là, celle qui a fait la chanson extraordinaire, la Pokéita. Ah. Ok? Ouattara va mal finir. Bon, hein, vous en voyez, donc, c'est celle-là. Vous voulez voir, voilà, c'est elle-là qui a fait la chanson de Keïta. Vous pouvez voir, voilà, son visage ici. Voilà, un peu. Voilà, elle est un peu. Elle est couchée, ça fait 2 jours. Elle m'a envoyé un vocal pour dire qu'elle se sent pas bien. Donc, on va la soutenir, ok, les gars. Alors, 79, c'est le 223. 79, 42, 15, 17. Ok? Faut lui envoyer son argent de poulet, d'accord? Manger pour se retaper rapidement. Donc, on va le contact, les gars. Demain, Inch'Allah, on va reprendre. On a vu un peu les erreurs, comment il faut faire. Donc, c'était la première expérience en duplex sur une plateforme. On va gérer ça, Inch'Allah. On va le contact et à très bientôt.